ce dossier des communes, c'est quelque chose qui me tient beaucoup à cœur. Vous savez que nous sommes rentrés à Guiraud en 2006, dans cette merveilleuse région de Sauternes. Je connaissais bien cette région de Sauternes, mais j'ai appris à la découvrir encore un petit peu mieux. Et donc j'ai vu qu'il y avait autour de ces parcelles de Guiraud des terres que l'on pouvait acquérir dans de bonnes conditions. Et je considère vraiment que cette région de Sauternes est un des plus grands terroirs de vin blanc du monde. Chaque raisin qui un jour fait du vin liquoreux a été sec un jour. Et le deal, chez nous, c'est tout simplement de le ramasser quand il est sec. Donc, à Sauternes, on n'a pas changé, on n'a pas modifié nos vignobles. On a acheté une trentaine d'hectares, on avait une trentaine d'hectares sur la millésime 2012. On en a une quarantaine sur la millésime 2013. Ces vignobles ne seront pas modifiés. C'est-à-dire que, vraiment, la tenue du vignoble est la même. Si aujourd'hui, vous allez dans ces vignobles, c'est exactement le même en liquoreux et en sec. Sauf que dans les secs, on va peut-être faire un peu plus d'effeuillage. Sauf que dans les secs, on va peut-être s'occuper un petit peu plus du botrytis en négatif, pour essayer d'en avoir le moins possible. Mais au domaine de Chevalier, comme au domaine de la solitude, comme à l'Espo Martillac que vous avez là ce soir, on a l'habitude de travailler par tri dans les vendanges de blanc. Donc nous savons ramasser, vous savez que les raisins rouges ou blancs ne sont jamais mûrs le même jour, à la même heure, à la même seconde. On peut avoir 2 semaines, voire 3 semaines d'écart de maturité entre les premiers raisins mûrs sur une même parcelle et les derniers raisins. Et peu de propriétés dans le monde font ce travail aussi loin que nous faisons à Chevalier dans le ramassage des raisins, pour ramasser vraiment le raisin à sa juste maturité, donc au fur et à mesure, et donc pour les ramasser par tri. Et ce système, on l'a mis en place à Sauternes, parce qu'à Sauternes, on peut ramasser les raisins, j'ai envie de dire, le 10 septembre, mais cette année, on a vendangé jusqu'au 3 octobre. Ce vignoble est planté principalement de sémillon, ces vins sont principalement à base de sémillon. Ils ont 70% de sémillon et 30% de sauvignon, blanc ou gris, généralement blanc, mais on a un petit peu de sauvignon gris aussi sur place. Sur les 1100 hectares qu'on a produits, on en a fait 200. On a choisi vraiment sélectionner le cœur de cette propriété qu'on a sélectionné et qu'on a fait en barrique. Donc on a choisi déjà 200 hectares parmi 1100. Et sur ces 200, on en a choisi 45 pour faire de la lune d'or. Donc la lune d'or est une sélection d'une sélection. Et je vais paraître un peu arrogant à dire ça, mais je connais peu de propriétés dans le monde qui peuvent se permettre de choisir moins de 5% de leur production pour faire un vin. Parce que vraiment, je peux vous dire que c'est une sélection d'une sélection et on a fait un petit bijou. Mon objectif, je le dis clairement, c'est d'en faire un des 10 plus grands vins dans le secteur de Bordeaux. Et quand on connaît, quand je dis 10, je pense 5. Hein, les vins blancs, c'est une expression aromatique, d'une pureté, d'une précision, et ça m'intéresse beaucoup. Feu des Lunes, voilà, c'est cette propriété. Cette histoire du Feu des Lunes, elle est née un soir d'une pleine lune. Donc pour ceux qui ne savent pas, c'est un soir de pleine lune, et on a choisi ce 27 mars parce que c'est un soir de pleine lune. Et on va le faire sur des bateaux, parce que sur des bateaux, comme vous pouvez le voir, on voit bien la lune. Bon. Et ce mot lune, en français, il est très facilement compréhensible dans plein de langues dans le monde. L'étiquette est bleue, parce qu'on ne voulait pas trouver, quoi. On ne veut pas. Moi, je connais des vins blancs secs à Sauternes qui sont à moitié dans des bouteilles blanches avec des étiquettes plus ou moins dorées, et on ne sait pas très bien si c'est sec ou liquoreux. Nous, on a marqué eau sec. Et sur les étiquettes, il est marqué grand vin blanc sec, Bordeaux. C'est un vin dans lequel je crois tellement. On a fait un super emballage, ça va être, vous avez peut-être vu les emballages de 3 bouteilles, ça ne dépassera pas 3 bouteilles, ça sera en papier de soie, avec un sur-emballage. Enfin, c'est une présentation magnifique, avec un vin magnifique dedans, avec des bouchons en 53 naturels, avec des bouts de miroir partout. Enfin, on fait la totale sur la lune d'or. Et puis si je ne les vends pas, je les boirai. Voilà. Parce que ce sont des grands vins, et ce sont des vins, si vous voulez, comme les grands vins blancs, il faudra, on les lance maintenant, on va les lancer en primeur dans pas longtemps, mais ces grands vins blancs, c'est dans 2 ans, dans 3 ans, dans 5 ans, dans 10 ans qu'on les jugera. Le travail est fini, pour moi en tout cas, et on va les voir et tout. Merci à tous d'être là.